vous ai préparé une tasse de thé, Zevlor. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? L'honneur du commandant. Le dernier tome de la série Commandant. Ça parle d'un soldat solitaire qui voyage dans le temps. Je l'ai pas vu dans les listings. C'est l'édition anglaise ? Ouais. Isabelle me l'a envoyé de Londres. Il sortira ici dans plusieurs mois. Oh, quelle chance d'avoir une petite amie qui voyage autant. On n'est plus ensemble. On échange des nouvelles et des livres. Tu reçois des livres de la part de ton ex ? C'est trop mignon. Le pingouin adore ses parapluies piégés. Le roi du temps. Ce nom ressurgit comme un fantôme. Les boomerangs reviennent vraiment.
Mais j'espère que le capitaine maintenant. Un guide du code général des impôts? Le pingouin veut vraiment faire croire qu'il est clean. Une pièce avec son profil? On vit vraiment pas dans le même monde. Saleté de pingouin. Je déteste cet endroit. Il est complètement HS. C'est toi. C'est ouvrir une porte, finalement. Alors, où est-ce qu'on en était? On nous écoute. Tu as peut-être des questions. Mais moi, j'ai des raisons de ne pas
y répondre. Et attention, ce sont des premières éditions. Tu sais, ils sont tous faits sur mesure. Ils coûtent très cher. La lumière, c'est très important. Surtout à mon âge. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Je l'ai fait retoucher récemment. Malheureusement, mon artisan habituel n'était pas disponible. J'ai jamais aimé ce truc. Il va pas du tout avec le reste de la pièce. Je ne sais même plus d'où il vient.
Alors tu veux jouer dans la cour des grands. Il faut fêter ça. Apporte-moi cette bouteille de whisky. Voilà ce qui m'intrigue. Pourquoi t'as purgé ta peine alors que tous tes petits copains friqués ont pu y échapper? Ils ont été avantagés. Pas moi. Qui est-ce que t'as énervé? Elle est pour tous un secret. Sur la cour, nul ne dit mot. La cour des hiboux n'existe pas. Powers Club. Oui. C'est là que vont tous les nantis pour s'encanailler. Ça peut valoir le coup d'œil. Pour ma part, je préfère éviter ce nœud de vipère. Mais ça va si c'est moi qui y vais. J'ai perdu de nombreuses années de ma vie à Blackgate. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Ne leur dis pas que c'est moi qui t'envoie. Beffroi, vous avez tout entendu? Le pingouin était vachement serviable. Ou alors, il essaie de m'enfumer. Ça m'étonnerait pas, mais... il a l'air convaincu de l'existence de la cour des hiboux. Ça roule. Je vais creuser un peu cette histoire de cour. Ça me va. On reste en contact. Salut, ici Beffroi. Tu pourrais aller voir ce que fait Alfred? Il est sorti il y a un moment et j'ai pas de nouvelles. Alfred arrête pas de sortir ces jours-ci. Il combat peut-être les criminels de son côté. Il a dit qu'il avait un autre rendez-vous avec Jacob Kane. Il a insisté pour y aller à pied. À cette heure-ci, il sait qu'on est à Gotham, non? Tu connais Alfred. Tu peux t'assurer qu'il va bien? Pas de problème. Que Batman a laissé, c'est forcément dans le coin. Batgirl confirmé. Identité validée. Lieu de maquage transféré sur l'appareil de R1.
Ça ne se fait pas de surprendre un vieillard comme moi. Batgirl identifié. Échec de l'authentification, veuillez réessayer. Batgirl reconnu. Identité confirmée. Emplacement de la cache envoyé sur l'appareil de R1. Pas de visage. Eva. Aujourd'hui. Est-ce qu'il vient de se changer en... argile ? Fais froid. Je crois que Gueule d'Argile est de retour. Je le croyais mort. Avec ce que je viens de voir, j'en doute. Mais je vais faire des recherches pour en être sûr. À proximité de Soro et Berger. On nous signale un important groupe de gangsters dans la zone. Et on se couche. Gueule d'Argile, si t'es là, ça suffit. Bordel.
Attendez! Ouais, c'est bien ça. Je l'ai. C'est bon. Là, il va falloir faire mieux que ça. Tiens, encore des drones de surveillance. Scannez-les, et je m'assurerai que vous pourrez voler. Vous avez le scan, j'ai les données. Je lis. J'ai besoin de toutes les données. Prenez votre temps et faites un joli scan. J'ai les données.
travail. J'ai reprogrammé les drones, vous pouvez voler ici dorénavant. Il y a de nouvelles informations sur le tableau. La présence d'individus sans visage a été signalée dans la ville ces derniers jours, laissant craindre l'arrivée d'une nouvelle menace dans les rues de Gotham. S'il est pour l'instant difficile de confirmer ces signalements, des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des gens dont les traits semblent avoir fondu. Alors que ces informations doivent encore être vérifiées par les autorités, les services de santé de Gotham demandent à toute personne présentant des symptômes inexpliqués de les contacter immédiatement. Je suis Nour Rachid et vous êtes sur GCN. Ouais, c'est ça. D'autres régulateurs doivent être à l'intérieur. Il est temps de découvrir ce qu'ils cherchent. Allons-y, en douceur. Encore un labo? Je me demande ce que Freeze prépare. Donc Freeze a construit sa machine ici. Cool, pas vrai? Et on peut prendre tout ce qu'on veut? Ouais. Je me sens comme un gosse dans un magasin de transistors. Faut que j'aille voir ce que c'était. J'aurais dû esquiver. Pour chasser là.
Attention les vieux. Survivant là-dedans? Un scientifique. Ils l'ont tué. Pourquoi il voulait atteindre la console? Quelqu'un a vraiment voulu renforcer cette porte. Je sais pas ce qu'il garde ici, mais apparemment, ça vaut le coup d'être protégé. Docteur Upshot, est-ce que c'est un de ces pauvres scientifiques? Qu'il y avait dans ce labo devait être très important. Un autre scientifique mort. La carte d'identité trouvée sur le corps indique Dr. Theodore Upshot, chef de la recherche cryogénique. Fait ce qu'il a fait, malgré les dangers. Je peux très bien dire que je n'ai fait que l'aider, mais en vérité, je l'ai aidé. Je suis coupable. La machine que nous avons créée est instable. J'ai insisté pour avoir un plan B. Un brouilleur au cas où Victor voudrait jouer les dieux avec la machine. Victor s'est énervé pour le brouilleur.
Il a demandé si j'avais perdu la foi. J'ai caché l'appareil au lieu de le détruire, car j'ai peur de lui et du potentiel de ce que nous avons créé. Si vous écoutez ceci, pitié, pardonnez-moi. Je devrais analyser le corps d'Upshot. Ça pourrait m'aider à savoir ce qui s'est passé. Le docteur Upshot a caché une sorte de plan B dans son bureau. Ça vaut un coup d'œil. Je parie que le plan B est toujours par là. Un faux plancher ? Beffroi, on dirait que le scientifique qui a construit la machine de Freeze a aussi construit un brouilleur. Ça nous sera utile pour l'arrêter. Je le ramène. Bravo, nous vous attendons au beffroi. Le tableau d'épreuve a été mis à jour.
Les inspecteurs de la criminelle enquêtent sur le meurtre de deux scientifiques lors d'un cambriolage au Labo Quartz. L'effraction nocturne dans le service de cryogénie s'est conclue par la mort de deux chercheurs des Labos Quartz, identifiés par leurs proches comme les docteurs Theodore Upshot et Kellen Lee. Le duo venait d'être récompensé par la société scientifique de Gotham pour ses recherches de pointe en cryogénie. Des millions de dollars de matériel expérimental ont également été dérobés. Le GCPD enquête sur son éventuel rapport avec l'attaque de Star Labs en lien avec le docteur Victor Fries, ex-scientifique devenu criminel, et l'organisation des régulateurs. Vous êtes sur GCN, je suis Nour Rachid. Avez-vous trouvé quelque chose sur Mr. Freeze dans les Labos Quartz? Non, mais au moins on a le brouilleur. Je sais pas ce que Freeze a prévu, mais il voulait tuer le Dr. Upshot pour le garder secret. Si on découvre ce que Freeze a pris dans le labo, on aura une meilleure idée de ce qui nous attend.